photographe et aujourd'hui nous sommes à la galerie Pouc, la galerie qu'a créée Marie-Paul Pellet et nous faisons une rétrospective de mon travail parce que ça fait 40 ans que je fais de la photo. J'ai commencé en 1984 en Californie et je continue à faire de la photo jusqu'à aujourd'hui. Le début, c'était des tests de mannequins. J'ai fait ça beaucoup aux États-Unis parce que c'est là où j'ai commencé. Et après, je suis venu à Paris. Et puis, je suis beaucoup retourné aux États-Unis pour faire ça. Et puis, par la suite, j'ai commencé à faire d'autres photos pour des marques de vêtements, etc. Et la période la plus importante, finalement, ce qui a été un déclencheur énorme dans ma carrière, c'est de commencer à faire des photos pour les calendriers des lieux du stade. En 2006, et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai dû faire une quarantaine de calendriers en tout. De pompiers, effectivement, de judokas avec des petits chats, de motards et les rugbymen à plusieurs reprises aussi. Une photo qui a été la première, donc qui a été faite avec un modèle donc, justement en Californie, et cette photo lui a permis de rentrer dans une agence de mannequins, pardon, et à partir de là, Il a commencé une carrière et cette agence m'a proposé de faire des photos de leurs mannequins. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo et à faire des boucles de mannequins. Ensuite, il y a un modèle qui s'appelle Joel West que j'ai rencontré grâce à l'agence Elite et je lui ai fait un portrait en urgence parce que l'agence avait besoin d'un beau portrait de lui pour le présenter pour faire les défilés à Paris. Et l'agence Elite à l'époque, donc c'était encore à l'époque et pas de numérique, hein, donc on a envoyé cette photo à tous les créateurs de mode, il a été booké pour plein de défilés. Mais surtout, cette photo a été envoyée à Calvin Klein directement. Et Calvin Klein l'a booké pour un énorme boulot de 2 millions de dollars. Et ce cher Joel West a eu vraiment la grâce et il a été formidable de dire à chaque fois, parce qu'il était interviewé d'une manière incroyable sur tous les médias américains, de dire que c'était grâce à ma photo qu'il avait décroché ce job. Mmh. Et donc, ce qui m'a permis d'avoir une réputation incroyable aux États-Unis. C'est un peu la nouveauté, ça a été une décision que l'on a prise de manière collatérale avec Marie-Paul, justement, d'oser un petit peu, d'aller un petit peu plus loin, de montrer ce que je n'avais pas encore eu l'occasion de montrer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du nu avec tout, même de la nudité frontale. Et puis j'adore ce tableau qui s'appelle L'origine du monde de Courbet. Et je trouvais ça injuste qu'il n'y ait pas d'équivalent masculin. Donc j'ai créé l'équivalent masculin. Donc déshabille-moi. Déshabille-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Déjà, on est amis déjà de base. Et on a fait pas mal de photos ensemble. Et du coup, je voulais voir un petit peu son travail aujourd'hui. On vient avec plusieurs vêtements. On fait des effets de lumière. Pour me sourire, c'est pour faire une tête plutôt méchante. Il faut toujours contracter, il faut être immobile, il faut se concentrer pour faire une belle photo. Donc, ça paraît pas, mais c'est très bien. Je m'appelle Lucas Martin, j'ai 24 ans, je suis comédien et modèle photo sur Paris depuis peu. On s'est contacté en premier lieu sur Instagram via des amis en commun. Je pense qu'il aime bien les gens qui sont simples. Bah écoutez, on a fait ça dans son studio photo, donc avant de shooter pour la première fois avec lui, on a beaucoup discuté, histoire d'instaurer une relation de confiance.
on a beaucoup accroché. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt pudique, j'ai pas encore fait de mu avec. Mais c'est quelqu'un qui vraiment met en confiance, on voit le professionnalisme qu'il a, donc ça met tout de suite en confiance. C'est bienveillant, ça reste bienveillant, donc c'est ça qui est vraiment important, qui m'a encouragé à continuer avec lui.